Salut à tous bande d'assassins! À moins de vivre dans une grotte, vous êtes sans doute au courant qu'un certain Assassin's Creed Ragnarok se prépare, ou plutôt Assassin's Creed chez les Vikings, puisque on n'est pas sûr que Ragnarok soit le nom définitif du jeu. Pour avoir les toutes dernières informations, je vous invite à aller voir cette vidéo, où on récapitule toutes les dernières rumeurs, en tout cas les rumeurs les plus fiables et les plus crédibles. D'ailleurs, si vous voulez être au courant de toutes les informations et de tout ce qui se passe sur Assassin's Creed, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, car vous êtes sur la bonne chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un jeu Assassin's Creed chez les Vikings et donc Ragnarok serait une bonne idée. Oh, tu veux dire bonjour toi? Dis bonjour. Abonnez-vous SVP, mon maître doit payer mes croquettes. L'époque des Vikings. Ça nous fait rêver, nous les fans d'Assassin's Creed depuis bien longtemps, au même titre que le Japon féodal ou un Assassin's Creed dans l'espace. Putain, mais qui a écrit ce truc? Tout semblait pourtant nous indiquer qu'après Assassin's Creed Odyssey, on se dirigerait vers la Rome antique avec Aya ou Amunet, comme vous préférez, et son héritage, ce qu'on ne voit pas, pour achever la trilogie Antiquité démarrée avec Origins. Mais c'est finalement chez les Vikings que se déroulerait le prochain Assassin's Creed en l'an 800, soit 1200 ans après les événements d'Assassin's Creed Odyssey. Premièrement, il faut savoir que les Vikings sont très loin d'être des gros barbares tels que montrés très souvent dans la culture populaire. Ce sont d'excellents navigateurs, commerçants et explorateurs. Petite anecdote d'ailleurs, ils sont allés en Amérique bien avant Christophe Colomb, puisque des vestiges vikings ont été découverts en Amérique du Nord. Alors oui, c'était aussi de très bons guerriers, se battant à la hache, la lance, l'arc et l'épée pour les plus riches, ces derniers étant souvent des butins de raids en Angleterre ou en Francie. Donc tout ça offre pas mal de possibilités de gameplay, et ça pourrait renforcer le côté RPG du jeu. Imaginez un petit peu. En Scandinavie, vous ne trouverez que les armes couramment utilisées par les vikings, mais au cours de vos raids et de vos explorations chez les Anglais ou les Francs, vous pourrez récupérer d'autres armes comme des épées ou des dagues, ce qui amènerait un autre style de jeu et favorise votre spécialisation. Ça promet donc une grande variété dans le gameplay, même si on devra passer par la case combat. On pourra très bien jouer discrétion, puisqu'apparemment la lame secrète sera de retour, et Yora sera un membre des assassins, ou plutôt ce qu'on ne voit pas, puisqu'à cette époque, les assassins n'existent pas encore sous ce nom. Au cours de leur existence, les vikings ont procédé à plusieurs raids, sorte de pillages, un peu partout dans le monde. Ils agissaient toujours groupés, et puisque les dernières rumeurs parlent de coop, je vous laisse imaginer un petit peu ce que pourrait donner le raid d'un village avec tous vos potes. Où il faudrait piller la ville sans trop perdre d'hommes, voire carrément pas se faire repérer du tout. Oui, parce qu'encore petite anecdote, les vikings se sont très vite rendu compte que le village était vide le dimanche matin, parce que tout le monde était à la messe. Donc ils avaient quartier libre pour piller le village, puisque personne ne défendait la ville. Les vikings, appelés Norsemen par les anglais, ce qui donnera plus tard le mot normand, ont beaucoup exploré. Ils sont allés en Europe de l'Est, en Angleterre, en France, en Méditerranée, en Islande, au Groenland et même en Amérique. Imaginez un peu la taille de la carte, elle serait gigantesque et on pourrait espérer participer à des missions ailleurs que dans la carte principale pour surprendre le joueur et l'amener ailleurs. La Méditerranée serait un bon exemple. Quand on regarde un petit peu les époques choisies pour Assassin's Creed, on remarque que toutes se situent dans une époque de troubles, de conflits, de changements. Partir chez les Vikings serait donc une vraie bonne idée, puisqu'à cette époque, il y a eu un vrai choc culturel et une confrontation entre les religions et les peuples. Les Vikings étaient considérés comme des païens aux yeux des Occidentaux qui sont monothéistes. Quant aux Vikings, ils découvraient un autre monde avec l'existence d'un dieu unique. De plus, il faut savoir que tout n'était pas tout beau, tout rose du côté des Anglais. À l'époque, l'Angleterre n'était pas unie mais séparée en plusieurs royaumes, certains se faisant la guerre. Et c'est exactement la même chose chez les Vikings, puisque tous les Jarls et les rois ne s'entendaient pas entre eux. Un Assassin's Creed chez les Vikings serait donc hyper intéressant d'un point de vue historique si c'est bien exploité, et pas juste mis en toile de fond, un peu comme la Révolution française dans Assassin's Creed Unity, ou encore la guerre du Péloponnèse dans Assassin's Creed Odyssey. Les Vikings avaient leur propre dieu, ils n'ont pas de religion à proprement parler, mais une mythologie très fournie faite de plusieurs dieux. On peut dans ce sens opposer facilement les chrétiens, qui cherchent à contrôler et façonner les individus à la culture viking, constituée de plusieurs dieux et axée sur le libre arbitre. Moi, ça me rappelle un certain conflit entre les assassins et les templiers. Je dis ça, je dis rien. La mythologie viking est aussi très riche et très complexe. Un DLC consacré à Yggdrasil, l'arbre monde sur lequel reposent les 9 royaumes, serait d'ailleurs en préparation. Ça pourrait donner quelque chose de vraiment incroyable. De plus, on pourrait côtoyer les dieux parmi les plus connus. Odin, Thor, Loki, et pourquoi pas en combattre certains. En tout cas, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Yora, le personnage du jeu, aurait un fort lien avec Odin. Il y a également une forte présence des créatures mythologiques. Dragons, valkyries, loups d'Odin. Si c'est correctement expliqué, leur présence dans les jeux n'est pas exclue. La mythologie viking permet aussi l'existence de nombreux objets d'Eden, parmi lesquels la pomme d'Idun et Mjolnir, le marteau de Thor. Et du coup, ça permettrait aussi l'existence de pouvoirs pour le héros, un peu comme dans Assassin's Creed Odyssey, justifié cette fois-ci par l'existence d'un lien entre Odin et le personnage. L'époque viking, c'est aussi la promesse de personnages intéressants et hyper charismatiques. Charlemagne, le roi Egbert, Bjorn, Côte de Fer, Ivar le Désossé, Ragnar Lothbrok, le roi Hael de Northumbrie. Bref, ça offre pas mal de possibilités intéressantes. Et encore une fois, hein, si vous voulez en savoir plus sur la série Viking... Mais tu vas arrêter de nous saouler avec cette série ? Allez voir la série Vikings, c'est une excellente série.
Si on en croit les dernières rumeurs, on aura droit à des biomes extrêmement variés, ce que pourra permettre les nouvelles générations de consoles et les PC. Le jeu devrait être plus contemplatif, plus mature, plus lent, à l'image d'un Red Dead Redemption 2 ou de Death Stranding. Les développeurs sont conscients d'avoir trop rempli Origins et Odyssey de camps, de forteresses et d'animaux qui nous agressent tous les 10 mètres. Partir chez les Vikings serait l'occasion de laisser le temps aux joueurs d'explorer. Personnellement, je trouve qu'un Assassin's Creed chez les Vikings serait juste génialissime, ça serait un excellent jeu et un très bon successeur à Odyssey. La carte sera grande, avec de la mer, des zones mystérieuses à explorer comme l'Islande, de grandes cités et de petits villages vikings, de vastes étendues froides, austères, avec vraiment cette ambiance viking quoi. Cette ambiance nordique et toute la mythologie passionnante qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, en Angleterre ou en France, des villages et des villes plus sales, plus peuplées, des forêts denses, des fortifications. Il y a beaucoup de possibilités au niveau des ambiances, et rien que d'en parler, je m'imagine déjà sur mon Drakkar, sur fond de musique bien viking, débarquer sur une plage pour faire le raid d'un village anglais. La franchise jouit encore d'un nombre incalculable d'époques encore inexploitées. Je pourrais vous citer juste comme ça l'Empire romain à son apogée, la guerre de 100 ans, la découverte de l'Amérique, la guerre de sécession, le Japon féodal, un retour à l'époque des croisades, etc, etc. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, ça m'a demandé un petit travail de recherche, faut savoir que c'est une vidéo qu'on avait déjà faite il y a quelques années, ou il y a un an, je sais plus vraiment, mais il y avait beaucoup d'erreurs dans cette vidéo, c'est pas moi qui l'avais faite, hein, c'est Aurélien, vous pouvez le taper et l'assassiner dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Désolé Aurélien. Mais du coup, à quelques mois maintenant de l'annonce d'un possible Assassin's Creed chez les Vikings, c'était quand même intéressant de remettre les choses dans leur contexte, et de voir en gros à quoi ressemblerait un jeu chez les Vikings. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, et pourquoi pas vous abonner. Quant à moi, on se dit à très très vite les gens, salut à tous.